Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Et bonsoir. La gagne. Ah ouais, là on est bien parti. Donc du coup on s'était quitté sur une belle fin de guerre avec le Ming, hein, mine de rien. Bon, il est encore balèze, hein, mais on grignote quand même plutôt bien, je trouve. 70% de score de guerre, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est propre. Il est toujours première puissance mondiale, mais il se fait bouffer du développement quand même. Hein. Et ah, tu m'as presque rattrapé avec tes conneries, hein. En termes de développement. En termes de développement ? Ouais, ouais. 1085, je suis à 1102. C'est ça. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le top 5 et on est. on est parti pour le. Voilà. Ouais, on est parti pour le maintenir, ouais. Parce que le seul sur lequel en fait on se nourrit pas, c'est la République de Nations. Hein. L'Ottoman, ouais. Très vite on va arriver sur. Enfin, moi en tout cas, je vais arriver sur lui. Là, Hormuz est en train de se faire défoncer. Moi, je vais leur marcher dessus en ligne droite et puis arriver aux Ottomans. Ouais, carrément, ça va être sympa ça. Donc là, on va commencer par une petite guerre dont l'objectif c'est de bouffer ces petites merdes qui traînent. Là. Le temps que moi je finisse Malacca. Alors, je peux prendre. Impérialisme. Impérialisme, 75% d'expansion agressive, 100 de prestige et 75 de coût. Ah, c'est plus intéressant que. C'est plus intéressant que le. Comment ? La conquête ? Non, la conquête c'est pourri, mais que la guerre sainte. Ah oui, la guerre sainte. Il y a autant d'expansion agressive, mais moins de coûts, donc on va complètement prendre ça, puisque cette fois on va prendre des provinces pour nous. L'objectif est de prendre la capitale de Sindh, et ben go. Donc Malwa vient, c'est prévu. C'est quand tu veux. Bah écoute, c'est parti, je t'appelle pas hein, pour cette guerre là. Non, bah c'est pareil, moi je t'avais appelé dans celle là parce que. C'est pas grave, parce que j'avais peur que le Ming au cas où quoi. Ouais. Mais finalement. Où, bon, c'est pas très grave hein, mais. Hop, on va se débarrasser de cette armée là vite fait. Là il pourra pas passer ma ligne de fort, il pourra pas aller très loin. Le Yarkand est assez agréable comme vassal, hein, mine de rien, il me rapporte deux par mois, quoi, rien qu'à lui tout seul. Oh, le siège, il commence à 35%, quoi. Ah oui, quand ça même. Ça fait plaisir. Au niveau blé, ouais, au niveau blé, on a des petits marchés à faire, là, on va les faire. Oh, la traîne avec le Jaunpur a expiré, dis donc. Alors, ici, on est arrivé, c'est parti. Ah mais je peux rentrer chez moi à pied du coup. Oh bah, je pouvais pas tout à l'heure. Bah en avant les mecs, on va pas se faire chier à attendre les bateaux. Go. Ici d'ailleurs on va peut-être libérer les vaisseaux lourds. Qui je crois dont on doit améliorer d'ailleurs. Arrêtez-vous. Attends, mes bateaux font nimple. Hein. Arrêtez-vous les gars, merci. J'ai mes vaisseaux lourds. Voilà, c'est eux qu'il faut améliorer. Bon, c'est pas eux qu'il faut améliorer. Est-ce qu'on a des pirates du coup? Est-ce que le Ming a arrêté ses conneries? Il a arrêté ses conneries visiblement. Donc du coup vous allez rentrer dans un port quelconque, là par exemple. C'est vous qu'il faut améliorer du coup. Ouais, 745, j'avais oublié ça. Bah on va gagner 745, c'est pas grave. Voilà. Alors ici c'est fait. On va aller s'occuper de Malwa. Donc lui est déloyal, donc il m'aidera pas dans la guerre, hein, mais c'est pas trop un problème en même temps. Ici on se déplace, ici on se déplace, ici on se déplace, ici on se déplace pas. Et là. Oh, c'est tellement facile les sièges au Brunei quoi. Oh bah, dis donc, mon vassal il voulait pas m'aider, il se fait choper. Et il se retrouve obligé de m'aider le pauvre. Bon, il va se faire défoncer, mais il aura retenu l'armée le temps que j'arrive. C'est gentil de sa part. Tu fais quoi? Vas-y, avance, lock-toi, je te saute dessus. Voilà, merci. Oh la vache, il est rapide ce con, hein! Putain! C'est ouf! Là, je vais l'attraper quand même, là. T'es des conneries. Il y a combien de mouvements? Ah, il a 4 de mouvements, c'est pour ça qu'il fait chier. Voilà. On va le stack wipe normalement, il n'y a pas trop de. Voilà. Pas trop de débat.
ici on est beaucoup trop nombreux dans cette armée là. 21, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette compo de merde? Les mecs. Scandale. Toi t'as du siège, hein, voilà. Lui il va s'occuper de poutrer les petites merdes qui traînent. Ah merde, un commandant nous a quitté. Oh ça va, c'est celui qui a pas de siège. C'est pas trop grave. Bon, on va aller achever les bateaux de Malacca qui continuent à me faire des sièges. Ils sont mignons. Ah, on a le commerce des épices. Ça, c'est très bon, ça. Il y avait pas une mission. Ça y est, tu l'as eu? Bah écoute, ouais, je viens juste de l'avoir, là. Commerce des épices. Domine le commerce à Malacca, à Goa ou à Hormuz. Alors, gain de 2 en mercantilisme et plus 10% d'efficacité commerciale. Bah go. Moi je prends, y'a aucun problème, y'a aucun problème, des trucs pareils je prends. Il faut avoir le... Alors en fait il faut dominer dans un des trucs. Ah ouais. Il faut avoir déjà suffisamment d'épices déjà. Ouais, je pense que je devais déjà dominer un peu partout et c'est les épices qui ont aidé quoi. C'est ça. Ici on va encore se scinder parce qu'on est quand même... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Stop. J'ai pas cliqué sur le bon bouton, on va quand même pas rester à 1000. Hein, ça va bien. Ici on se scinde. On envoie 10 000 là-bas, on envoie là-bas, voilà. Putain, j'ai capturé des bateaux, c'est trop bien ça en fait. Ah ouais, c'est pas mal hein, de pouvoir capturer les bateaux. Oh la vache. Bah quand on, parce que je crois que là on joue pas avec du coup le DLC, je me souviens plus si on avait pu activer la sauvegarde. Si, on l'a activé la sauvegarde. Ah oui, si. Pour prendre la doctrine navale là, oui voilà c'est ça. Ouais. Parce que si tu prends la doctrine navale pour aborder, ça fait plaisir. Ben grave. Bon par contre derrière ça fait sauter la... Faire attention à la limite, quand t'étais à la limite ben... Ah oui bah oui par contre ouais. Ça c'est le risque. Ouais puis je commence à plus avoir d'endroit pour faire des... des chantiers navals, j'en ai fait partout. Les grands chantiers navals je les ai pas encore. Faut la technologie diplomatique 24. Et tant que j'y suis, est-ce que... Non, je peux pas encore faire de fort, là. Tant que j'ai pas tout... 27% de surexpansion, ça va, je suis tranquille, hein, vraiment. Ah oui, c'est tranquille, hein. J'avoue. C'est bien. Ok. Allez, je vais me fendre de 30 000 hommes pour aller écraser ces 3 000, là, quand même. On va essayer de faire comme si il était pas négligeable, le mec. On va pas rester trop longtemps à piller parce qu'on va les prendre ces territoires là. Où sont nos revendications? Ah, on n'a pas tant que ça en fait. Et où sont les siennes? Il n'en a pas du tout. Ok, donc ça va être pour nous cette fois. On va pas s'emmerder. J'adore, mon vassal qui est en train d'assiéger sa capitale, il était à moins je sais pas combien. Je me pose avec 8000 hommes, ça passe direct à zéro. Sans général, sans rien, pas de stress. Nickel. C'est bien quand ça fait ça. Ah ouais, la vache, mais j'ai un gros trou dans mes forts, lui, là. Il s'est infiltré comme un connard, là. Ça va pas du tout, ça. Est-ce que je peux le choper, là, non? C'est trop bien le truc du Minga. Je suis à 4 plus 80 par tour et j'ai pas un seul bateau qui me fait du commerce. Les 10% du Ming, bah il te rapporte combien? Tu dois pouvoir le voir normalement. Ouais, bah. 45. 45. La vache. La vache. Ah bah c'est sûr que c'est le Ming. Hein. Ah, y'a le jaune pour qui aime pas trop me voir masser des armées à sa frontière là. Je peux comprendre. Allez, on va finir ces sièges là. Ici, on va lui sauter dessus. C'est fait, on se replie ici. Ces 3000 hommes, on les prend. Je peux prendre tout Malacca et m'arrêter là, mais finalement, j'évolue bien en brunet, donc pourquoi pas continuer. Vas-y. En plus, j'ai Dali qui a traversé, il est passé par Passai, Tlemcen avec 6000 hommes. Il y avait 10 000 hommes de Brunet, il les a éclatés avec son général 3 étoiles et là il est en train de tout prendre petit à petit.
Énorme, c'est énorme. Ça c'est propre, j'avoue. Je suis fier de lui. La Grande-Bretagne, le chocolat chaud, et ben très bien. Donc du coup, ouais, non, j'ai un gros trou dans ma ligne de défense là, et ça me va pas du tout par contre. Faut qu'on regarde ça, quand on aura pris des trucs là. Transoxiane, viens de coller à moi que je te défonce les fesses. On a perdu un mariage royal avec lui, on va en refaire un tout de suite. Voilà. Bon, il pourrait tomber ce fort ou pas là, dans cette capitale. Ce serait appréciable. Allez, 49%, et bah non, ça ne tombe pas. Ah, trop de points, c'est la cata. On peut prendre une doctrine. Niveau tech, on est à 70%, bah voilà, 5% de discipline et plus 5% de recouvrement du moral terrestre, hein, c'est cadeau. Mais on a trop de points, alors du coup, on va prendre un point de stab. Voilà. Et encore du mercantilisme. Jusqu'à 49%, on peut faire mieux. Voilà. 50% déjà, c'est mieux. On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Allez là, 64%. S'il vous plaît. J'aimerais bien pouvoir financer la réfection de mes bateaux. Oui, non, peut-être. Oui, c'est fait. Parfait, je me pose, hein. On veut pas. Les hommes ici, on les ramène. Lui, on le fait revenir. Et on va voir ce qu'on peut prendre. Ah, cet enfoiré. Alors, ces deux trucs-là, on va les donner à notre vassal. Pour qu'il puisse faire des revendications sur le jaune pour, tout simplement. Non, pas ça. Une paix séparée, bien sûr. Hop, 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 hop. On prend tout. Oh, on peut pas prendre tout, c'est trop gros. on peut pas prendre le blé. Bah du coup, on va rien donner au vassal, hein, c'est pas grave. Hein. On va tout prendre pour nous, on s'en fout. Alors, 45 de surexpansion. Qui gueule? Le jaune pour gueule, Malois gueule et la transoxiane gueule. Autant dire qu'on s'en fout totalement. Hop, une première paix, c'est fait. Voilà, ça va nous coûter un petit peu de points, c'est nickel. Le mec il revient, allez, reviens, plus vite. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de... Oh pardon, excuse-moi. Ouais, non, c'est moi. C'est moi. Lui on prend son blé, on prend son territoire. Merci, au revoir. Ah, Brunet il a 1200 pièces d'or quand même, hein. Tu me dis quand t'enlèves la pause. Ouais, mais attends, je suis en train de faire ma... Je vais arrêter la guerre. Ouais, non, je vais continuer encore un petit peu la guerre. Hop, c'est bon, je peux l'enlever. J'enlève, pardon. Bah du coup, ouais, parce que j'avais envoyé mon mec, donc j'attendais qu'il revienne. Voilà, on a c'est grossi bon. Un peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des territoires pour nous. Ici, on a un fort de level 4. Est-ce qu'il est bien placé dans les collines et tout? Ouais, c'est pas mal, on pourra qu'on l'améliore. Alors, il va être temps de retravailler nos troupes. Ruée vers l'or, gain de 3000 ducats. Oh mais tu t'enchaînes, hein. Ah la vache. Bah merci. C'est cool. Ah du coup, l'upgrade des bateaux, c'est plus trop un problème. Alors attends, du coup, je vais mettre pause 2 secondes, parce que faut que je retravaille mes régiments. Ici, on va faire une armée avec des mercenaires. On va aller envoyer les 6000 hommes qui manquent là-bas. Ici, on va faire un régiment de mercenaires également. Il y a combien de places ici? 44 000, parfait. Vous allez là, parfait. Vous, on va vous faire un régiment pas de mercenaires, s'il vous plaît. C'est bien là que je les envoie, les mecs. Ouais, c'est ça. Eux, ils s'entraînent. Parfait. Laissons un petit peu les troupes se balader.
pas tarder de faire une petite pause, hein, t'inquiète pas, ce sera normal. Prends ton temps. Voilà. Allez, on va arrêter la guerre. Donc, Brunet. Alors. Bah vous, une fois que vous serez amélioré, vous partirez vous occuper du Bengale, j'ai envie de dire. Voilà, donc déjà, on ferme la guerre avec Brunet. Il me donne plein de sous-sous. Je lui prends un territoire, comme ça je commencerai à m'installer sur son île. Tranquillement. Ouais, j'ai eu que 4, je suis très déçu. Tu m'étonnes. Et puis attends, après Malacca dans 3 jours. Voilà. Et ben Malacca, il va me donner ses sous et puis ses territoires. Mon dieu, j'ai pas Sai qui va pouvoir monter une coalition contre moi. Ouh là là. Je tremble. Ah, j'en doute pas. Ça y est, il y a plus de taches violettes en bas là. Ah. Youpi. Voilà. Ouais, ah, on a un nouvel empereur. J'avais pas fait gaffe, il vient juste d'arriver. Ah merde, il est veule. Attends, j'allais dire, il est trop bien, c'est un 5-4-4 et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il est veule, quoi. Bravo. Bravo, quoi. Du coup, on a peut-être perdu quelques mariages royaux, non? Avec Kassam, avec Marwar. Et avec toi. Alors, Marwar... Ah, tu veux pas un mariage royal? Ah oui, t'es déloyal, ok. C'est pour ça que tu veux pas, en fait. Bah du coup, Khmer, un mariage royal? Tu veux être ma nouvelle reine? Eh oui. Ah non, ça va, finalement, non, en fait. Et ici, cette armée-là... Pas suffisamment de mercenaires, sérieux? Pas suffisamment de mercenaires, quoi. Ah non, pas suffisamment de réserves. Oui, ça doit plutôt être ça. Et ça nous ferait dépasser notre limite de force. On en est où niveau limite de force? 188 sur 204. Bah écoutez, on va faire des bâtiments pour. Hop, hop, hop. Voilà. Ce serait bien un autre général par contre. Les nobles, vous en êtes où? Ouais, 60% c'est un peu tendu. On va en payer un. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on s'est marié avec un aristocrate du coup. Toujours un peu chiant. Et on a un héritier qui est lamentable. 2-1-2 quoi. Est-ce qu'il a l'âge? Non, il a 0 en merde. Je vais envoyer entraîner les troupes sinon. bah on va recruter un mec. Hein. Hop, voilà. Oh, oh le général 3 étoiles qui fait plaisir. Combien on a de... Ah, on a 66 de tradition terrestre quoi. On a 66,6. 666, c'est propre, non? C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. au niveau des bateaux, on en est où? On est toujours au taquet au niveau des bateaux, hein. On prend pas de province maritime en ce moment. Alors, on a un mec qui ne fait rien. Je suis sûr qu'on peut faire quelques revendications, là. Genre sur le Jaunpur. Jaunpur. Le Jaunpur n'est plus un rival, ouais, tu m'étonnes. Toi, t'as des revendications sur le Jaunpur? Non, hein. Mais je sais pas si grand temps qu'ils sont pas loyaux, je suis pas sûr qu'ils fassent des revendications, en fait. Sale truc. On verra. Assam, au niveau des revendications, t'en es où? C'est pas ouf non plus, hein. Et Jaunpur, il peut pas faire mieux. Jaunpur, c'est un bon vassal. Fais des revendications partout, toi. Voilà, là, là, là. Ici, là, là. Arrête de double-cliquer, Victor, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est des territoires sauvages, on s'en fout. Choisir une mission, protéger le commerce. Alors, où c'est qu'on va aller? Oh, plus 18 au Bengale. Ouais, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est parce que j'ai imposé la religion qui gueule. Bah, on va les apaiser, c'est bon. Regardez, on vous aime bien. Voilà. Un peu de prestige. Alors, il nous faut 577. Il faut qu'on recrute 12-6-12. Ah oui, on a que de l'infanterie dans cette armée, merde. Effectivement.
C'est un peu con. Du coup, il faudrait plutôt ça. 8 unités ne correspondent pas au modèle et vont être détachées. Donc on a quelques mercenaires à virer, du coup. Alors, on a combien de mercenaires? Attends, je me pose 2 secondes, temps de faire un calcul. Pas de soucis. Non, on va pas faire ça comme ça. C'est très con de faire ça comme ça. On va faire autrement. On va détacher les mercenaires, voilà. Et ils sont 14 000, les mecs. Ah oui. On va les couper en deux. On va en virer une certaine partie. L'autre, on va leur dire, hop là, on en enlève un. On démobilise. Voilà, on a 10 000 hommes. Et il nous faudrait 522, donc on va attendre d'avoir 522 et on va se refaire une petite armée. As-tu vu que l'Afghanistan au nord de chez toi est allié avec les Ottomans ? Ah non, tiens, j'ai pas vu. C'est récent parce que tout à l'heure j'ai regardé, il y avait pas. Et Bon, en même temps, c'est plutôt un bon move, hein, j'ai envie de dire. Puis vu Cormouz va, tu m'étonnes. Vu Cormouz va probablement décéder très vite. Ouais, une tech, non, j'ai pas trop envie de prendre une tech là pour l'instant. C'est pas trop l'idée. Ouais, grâce au Ming, là du coup, fin de guerre, tout ça, ouais, tout au minimum, pas de dépenses forteresse. Je suis à plus 94 par tour. Ah, c'est pas mal. Moi, ouais. Je me suis un peu cassé la gueule du coup avec ton recrutement là. Tu m'étonnes. Ça devrait remonter, voilà. J'étais à plus 9. Mes bateaux de commerce repartent de fondre le commerce, je repasse à 21 quoi. Ah bah voilà. Ça fait plaise. Il y a tellement de monde qui tape sur Hormuz qu'ils arrivent pas à terminer leur guerre parce que je pense qu'ils attendent que l'autre l'arrête pour pouvoir prendre des territoires. Voilà. Bon. Là du coup on va pas attaquer Hormuz tout de suite, hein, il est trop dans le mal. On pourrait attaquer le Jaunpur. Mais d'abord faut qu'on lui fasse quelques revendications de plus, hein. Puis faut qu'on finisse de légitimer quand même, on va essayer de faire ça proprement. Les constructions c'est la teuf quoi. J'ai une quinzaine de bâtiments en construction. Où sont mes légitimations? Ah elles sont en bas. Ouais, ça va pas très vite, c'est dommage. Le mec qui fait les réseaux d'espionnage, ouais, enfin, en même temps, on a pas mieux. Le plus 4 qui fait plus 5% de discipline, je vais être triste quand il va mourir quand même. Tu m'étonnes. Un mariage royal, oui. L'empereur accusé de favoritisme. Alors attends, on va perdre du karma, je crois que c'est bien ça. Ah non, on est à 0 de karma. Non, bah on va éviter le favoritisme, hein, bien sûr. Vaillons donc. Alors toi, tu sers à rien là où t'es. Tu peux te repointer. Ah, du coup, c'est mon vassal qui fait un trou dans mes défenses en fait. C'est un peu chiant. Du coup, il me donne combien mes vassaux maintenant qu'ils m'aiment bien? 1 et 0,82 et 2. Ouais, c'est pas mal, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Nous n'avons pas de vassaux. Ouais, non, tu bugs le jeu là. Tu bugs un peu. Je suis désolé de te le dire, hein, mais. Conquérir de nouveaux états, ça va peut-être être fait là. Une fois qu'on aura légitimé toute cette merde. Le jaune pour, il nous faut combien? Il nous faut 30 pour faire une revendication. Il nous faut du contre-espionnage? Non, même pas. Écoute, si tu veux passer en vitesse 3, fais-toi plaisir. Hein. C'est bon. Pour moi, pour l'instant, c'est plutôt calme, on va dire. Le Jaunpur est quand même encore un mec sur qui il faut compter, donc on va attendre d'avoir refait un petit peu les réserves avant d'y aller. Je pense. T'as des revendications chez le Jaunpur toi? Non. Hein. Non.
Pour l'instant, non. Donc j'aurai aucune scrupule à tout donner à mon vassal, du coup. Les nobles peuvent me filer un général. Eh ben, donnez-moi un général, les gars. Ça me fera une autre armée à entraîner, c'est cool. Non, non, moi je pense pas plus m'étendre par là. Pour taper sur la racane à un moment, mais... Bah écoute, très bien, dans ce cas-là, moi je vais probablement faire grossir mes deux vassaux là, et puis moi un petit peu, mes trois vassaux peut-être même d'ailleurs, sur le jaune pour. Ce sera cadeau. On verra ce qu'on peut prendre dans le score de guerre. Ah, on a assez de thunes pour faire notre armée. C'est parti les mecs. Hop là, 20 000 hommes de recrutés. Et on a de quoi faire quelques revendications. Alors du coup... on va prendre ça. Ah, on peut reprendre une tech. On est au 40% encore. Hein. Et elle a déjà été atteinte, la tech en plus. Ça me ferait même pas prendre l'innovation de la prendre dès maintenant. Donc c'est complètement inintéressant. C'est quand la prochaine institution? C'est dans 4 ans, non? Ouais, c'est en 1700. Ouais, c'est dommage de développer un truc maintenant. Qu'est-ce qu'on pourra développer qui est déjà bien développé? Les idées militaires de Sunetra Devi. La reine est une femme de courage. Parfait, 50 points de puissance militaire. Bah écoute, merci. La révolution agricole. C'est où? Bundekund. Qu'est-ce que c'est? C'est là. C'est quoi ce truc? Provence à 11, ouais. Bah on va accroître encore un petit peu dans les impôts, écoute. Et il me faut un endroit à développer qui me permettra pas de développer l'institution. Est-ce que... Non, je crois qu'elle peut arriver qu'en Europe, cette institution. Les Lumières, pas avant l'année 1700. Ouais, faut qu'on soit en Europe, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Eh oui, malheureusement. Par contre, ça devrait avancer là où il y aura des universités, donc ce serait bien qu'on fasse des universités aussi. Tiens, bah ça c'est à 3 ça. Ouais, mais c'est du caillou. C'est pourri. Ça c'est à 10 déjà. Tiens, bah ça c'est à 17. Ouais, mais on a déjà un bâtiment à construire qu'on n'a pas construit. J'hésite, hein. Ça c'est quoi? Ouais, on va développer ça, tiens. Non, pas du militaire. Passaï qui s'est allié aux Ottomans et aux Mamelouks. Ah ouais? Ah bah remarque, ils doivent, ça doit être parce qu'il commence à avoir des colonies près de lui, donc du coup... ça devient le malin. Effectivement... Le malin. Oh, tu comptais le bouffer? Oh ouais? Je comprends pas. Je l'aurais bien fait, mais... Par contre, je peux lui imposer un tribut. Ah bah oui, fais-toi plaisir tant qu'à faire. Hein. Mais oui. Allez, c'est parti. Allo, saisis l'occasion exceptionnelle de devenir notre tributaire. Bah franchement, je pense que toi, un objectif sympa, ce serait de bouffer le Ming et que du coup, de rendre tous ces anciens tributaires de toi. Ce serait très clair. Classe, quoi. Ah putain, j'ai jamais vu. Ok, on peut choisir, exiger des artefacts. Ça accroît le prestige, ça aggrave son inspiration, la liberté. D'accord, on peut lui accorder des provinces, on peut lui envoyer des présents. C'est bien, avec l'or, on fait redescendre... Ah, putain, tu donnes de l'or et ça redescend son inspiration, la liberté. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il va me donner? Ah, puis c'est bien. Oh oui, bien. Bon, ouais, remarque, non, c'est à la fin de l'année. Ouais, oh. Bon, c'est pas terrible en fait. Et ben, on va lui demander... la puissance administrative. Allez. Dans les canons. Ah voilà, ça y est. Voilà, on est bien là. Combien on est? 204 sur 216. Gloire à nous! 5 en prestige et 1 de professionnalisme. Que gloire à nous, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? J'avoue. Bon, le mec qui est avec les pays voisins, par contre, faut qu'il arrête là. Reviens, on a besoin de regarder un petit peu quelles seraient les opportunités. Genre sur monsieur là. Alors, déclarer la guerre à ce con. Ah, il est allié au Biapa, c'est bien triste. Non mais il est en train de bien la gagner, hein, le...
La guerre, le Ming. Ah oui, contre le Japon. Contre le Japon, ouais, ouais. 91% de vie dans sa faveur. Rond l'alliance avec le jaune pour toi, hein, tu veux pas. Hein. Je peux intervenir dans un conflit. Il a une nouvelle. Comment on appelle ça? Il a une nouvelle. Oh, punaise. Colonie qui s'appelle le Mexique Ming. C'est original. J'imagine des Mexicains à grosses moustaches avec les yeux bridés. C'est spécial. Oh, il est méchant. Oh bah, on est dans le cliché, on est dans le cliché. Ouais, j'ai pas trop à chercher quelqu'un à attaquer là pour emporter le biapas dans la guerre, mais j'ai l'impression que je vais devoir. Je suis passé devant toi du coup. Grande puissance. De pas grand chose, hein. Attends, j'ai pas fini mes légitimations. Bah oui, c'est pour ça, moi je venais de les finir. Ah, remarque, 10, ouais, si, j'avais quand même des provinces pas dégueu dans le tas là. Bah écoute, tant pis, hein, l'alliance avec le Biapas, elle va dégager, puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, hein, si tu m'emmerdes, tu m'emmerdes, hein. Est-ce que je suis au taquet de mes relations avec lui? Ouais, non, on va améliorer un peu les relations avec lui, avec un peu de bol, il décidera de pas venir. Niveau confiance, on va claquer des points aussi. Hop. Allez, bah du coup, je propose qu'on arrête l'épisode là. Ça me va. J'espère que ça vous a plu, et du coup, eh bien, on vous dit à demain pour la suite. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.